Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel qui vous donnera cheat de comment gagner les rubans sans utiliser le Pokéblock. Donc on va s'inscrire à la catégorie hyper, sans froid. Je vais mettre mon Ponyta. Alors, pour faire ceci, vous avez besoin d'avoir d'être 4 en lien. Donc là, je le fais avec un ami. On est deux chacun sur deux comptes, je joue sur mon téléphone en même temps, c'est pour ça que ça va être des fois un peu, le rythme va pas être très soutenu dans cette vidéo. Mais étant donné que sur Pokémemo, on peut faire en lien le concours, bah en fait on va se laisser gagner. Donc là, le premier tour, moi je vais le laisser gagner pour qu'il puisse avoir le ruban hyper, sans froid, sans hyperbloc. Donc voilà, sur mes deux comptes, moi j'ai Mainsk avec Rhinophéros. Lui, il utilise le mascara avec Gobu. Et j'ai également Medusane et avec mon Galopa Shiny. Mettre dehors. Et le masqueur qui utilise un deuxième Gobu. Voilà, les Pokéblocks, ça peut coûter assez cher. Et pour les gens qui aiment bien, je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup collectionner les rubans, voir tous les rubans. Ceux qui savent pas ce que c'est les rubans, c'est ça. Et normalement, c'est impossible à avoir, on va dire, sans les Pokéblocks. Donc une fois que vous avez cette astuce avec nous, vous apprenez cette astuce pour comment gagner les concours, c'est quasiment en trichant, on va dire. Donc là, je vais faire exprès de perdre avec mes deux Pokémon. Et je vais faire exprès de le laisser gagner. Donc dans les concours, il y a 5 rounds de démonstration. Et on va avoir un certain nombre de cœurs à chaque fois. Donc c'est le juge plus les spectateurs. Certaines attaques donnent systématiquement des cœurs. J'ai l'impression, peu importe la catégorie, comme bélier, éboulement, marteau-point. Voilà, comme vous voyez avec Rhinophéros et avec Galopa, je fais exprès de perdre. Lui fait exprès de perdre également avec son deuxième Pokémon. Dans les concours, quand on fait deux fois la même attaque, deux fois de suite, on a un malus. Et il me semble que même trois fois de suite, quatre fois de suite, ça se cumule. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis Bélier et Éboulement sur Gobu. Et il va alterner les deux. Et il va tout le temps avoir un nombre de cœurs élevé. Et moi, je vais faire exprès d'avoir un... Voilà, là j'ai raté, j'étais censé en avoir moins, mais... Ah bah voilà, ça c'est le malus. Démonstration numéro 3, je continue de faire rebond et je continue de faire tunnelier. Rebond sur Galopa et tunnelier. Et lui, il continue d'alterner éboulement et bélier. Et là, on voit le score total ici. Ici, c'est le score juste de la démonstration, le score total. Vous voyez, j'ai eu deux malus, ça va descendre. Il continue de faire lance-boue avec le masqueur et de descendre volontairement. Et je continue de faire rebond avec Rocinante. Mon Galopa Shiny, nom inspiré du cheval de Don Quixote. Excellent livre, je vous recommande vraiment Don Quixote. Voilà, démonstration numéro 4, il continue. Pour pas faire deux fois la même attaque en fait, c'est pour ça qu'il fait un coup bélier et un coup éboulement.
Donc voilà, on a découvert ça, le fait qu'on puisse faire en lien les concours, en link, les concours de ON dans Pokémemo, ça permet justement d'avoir tous les rubans. Donc faut pas, comment dire, faut pas oublier de se faire gagner, c'est-à-dire que moi je le laisse gagner ce coup-ci, après il va devoir me laisser gagner, pour que les 4 persos aient le ruban, les 4 Pokémon aient le ruban hyper, pouvoir passer à la catégorie supérieure jusqu'à aller en master. Voilà. Si vous êtes 4 à le faire, c'est probablement plus rapide. Nous, on l'a découvert à 2. Donc on le fait à 2, comme ça, PC et téléphone. Ça prend quand même du temps. Mais ça économise l'achat de Pokéblocks. Et voilà, je pense que c'est une astuce qui peut être très utile à la communauté PokéMMO, donc n'hésitez pas à la partager. Voilà, le concours est terminé. On voit que Gobu de Lomascara a largement gagné. On annonce les résultats, et voilà, sans surprise, le Gobu a gagné. Est-ce que c'est de la triche? Je sais pas. Un peu quand même. Mais si vous voulez vous mettre les rubans sur les Pokémon, très bonne méthode. Il me semble que les autres gagnent également des prix. On gagne des baies, on gagne, voilà, vous voyez. Donc, qu'est-ce que je vais gagner? Je gagne 3 belles ondes. Sur mon autre compte, j'ai eu 6 baies Alga. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comment gagner les rubans sans Pokéblock. Et merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao !